On va pas citer les Ouais, mais tu fais que deux niveaux. Faut pas te. Faire gaffe si t'es blessé. Moi, c'est le pouce. Ah bon. Ouais, mais t'as le pouce, t'as le coude. Oh, garçon, mec. Avec le style. Elle était là. Ah oui. Ah là là. Elle était dehors. Dommage.
École de la pression. Ah, où est cette carte? Vidéo, c'est ça. Ça qui est sûr. Je sais que tu me laisses un trou avec ta cheville. Ouais. Si, si, je me suis levé. Mais non. Maintenant, ça va. Où je sens qu'il m'a retrouvé. Qu'est-ce que c'est que vous dites? Quelle méchanceté. Ouais, ouais. Tout le monde est tombé. On va s'en va pour le bloc, hein. Vous savez qu'à la base, on nous a apprécié. Ouais. 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 Ouais, hein. Oh là là. On sent que c'est pas habitué à faire des épreuves. Ah, dommage. Eh oui. Allez, tu fais ça, tu vois. Oui. Bah, attends. Quoi? Bonne nuit, hein. On sent toute la souplesse. Quoi, qu'est-ce qu'on sent la souplesse? Oula là là. Mais il a plus souple que moi. On sent la dextérité. Souplesse, dextérité. Comme tu laisses. Ah, ah, c'est dur de travailler sur lui. Ouais. Tu dis, oh merde, c'est la merde. Côté léger, mec. Tcha. Ah ouais. Et moi, je faisais du Munchen. Et ça, tu le sais pas. C'est bien, Munchen. Je suis pas sûr. Mais tout est bien. Non, 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 non. Tu dois l'utiliser, quoi. Et je viens. Ah, je sais pas, t'as vraiment joué. Bien sûr, c'est complètement cohérent ce que tu viens de faire du match. Ah, là, là, là. Déjà fini. Ah, ouais. Ah, vous êtes roulé comme un dingue. C'est relou, hein. Ah, ouais, c'est. J'aime ça que ça te fait chier. Allez, Sylviette, avec moi. T'as plus un côté. Qui va de moi? Sylviette, Sylviette. Ah, Charles, ça. On a des comptes à régler. Elle fait trop d'aïkido. Je vais tout mettre avec une clé d'aïkido. C'est moche. Tout le monde ? C'est moche. C'est moche. Okay. Allez. C'est moche. C'est moche quand même. Ah ouais. La perlise, c'est bien ça. Moi, je veux juste nettoyer. Je vais monter.
voulais juste te faire des bruits. Sache-le. Et alors Oh le truc. Comment c'est moche. Chance à cause de ça. Jamais je vais te le dire. J'ai senti ça. Pertinent en fait. Je les mettais moins haut parce que je savais que j'allais dire ça.
Et en fait, ce que j'ai capté avec les clés de poignet, c'est qu'il ne faut pas faire de clés de poignet. Il faut partir sur les mains, sur les trucs, pour bloquer l'articulation du coude. En fait, trop souvent, sur les clés de poignet, la circulation de son mouvement. On est là, bien. On est là et on veut absolument pousser le poignet là. Quand on est là, et là, tu dois résister. En fait, l'idée qu'il faut avoir, c'est ça. En fait, l'idée n'est pas du tout la même. Et même si le gars est solide, tiens bien. Là, j'ai failli prendre 4 points sur Pank. Là, quand on est ici, si j'attaque les poignets, c'est mort. Par contre, si je pars là, t'as vu comment c'est mort. L'idée là, et là, c'est pur. On rigole tout à l'heure, mais c'est pure notion d'Aiki. C'est se dire, poignet va être trop puissant pour moi. Toi, j'y arriverai pas. Par contre, je peux l'emmener dans une direction où là, le poignet va casser au bout d'un moment. Oh, parce que tu bloques. C'est ça, je bloque le coude. Sinon, il est puissant. Ouais. Et pareil, en fait, trop souvent, quand je suis en 100 kills, là, je tente d'attaquer entre les poignets ici. Sauf que c'est mort. En fait, je dois juste arrêter de prendre la clé de poignet, je dois passer là. Et là, je peux aller travailler. Putain, c'est déjà. Putain, mais c'est, ça change tout en fait. C'est de l'aïkido. C'est chiant. Aïkido 2. Jujitsu la belle 0. J'ai failli faire un sweep. Ouais. Genre, tu serais plus léger, j'aurais passé. Ouais, je l'aurais passé. Mais 4 points. Non, 6 points. Ouais, deux ouais. Allez, respiration. Ok, je vous rappelle la respiration. C'est ça, ou assis. On travaille sur 30 inspirations complètes, relâchement, mais pas complet. En fait, vous allez voir, en yoga, je suis plus long que ça, c'est en fait vous remplissez complètement avec la bouche. Et vu que vous remplissez complètement, si vous lâchez naturellement, ça va un peu relâcher. Et c'est ça que je veux que vous ayez. Vous faites 30 fois. La 30e fois, vous faites. Et vous lâchez tout l'oxygène pour arriver, quoi, vous lâchez l'oxygène pour arriver jusqu'à une phase où vous n'êtes plus du tout en excès d'oxygène. Vous videz juste vos poumons. Et vous restez comme ça le plus longtemps possible. Une fois que vous l'avez fini, vous inspirez, vous bloquez aussi la respiration. Et après, on respire normalement. Ok ? Allez ! Ça, en général, on n'a pas le temps, mais on le fait en 3 cycles. Donc ça, c'est un truc issu du yoga. En ce moment, vous allez voir certainement, là, dans les semaines et mois à venir, il y a un mec qui s'appelle Wim Hof, W-I-M, Hof, O-2-F. C'est un néerlandais, donc a travaillé sur ça. Et c'est le mec qui s'amuse à nager sous l'Arctique, sans rien. C'est-à-dire qu'il s'amuse à passer sous les... sous la glace. Il y a tout un travail sur la récupération avec et le souffle et le froid. Et lui, il est trop froid, c'est-à-dire qu'il conseille. Il coule dans le. Ouais, alors après, dans tu vas partout. La neige, ouais. Et ton truc, c'est ça, il a monté le Kilimanjaro en short. Ouais. Et quand tu fais ces stages, tu pars pendant je sais plus combien de temps, une semaine. Et les derniers jours, en fait, tu as fait ça pendant 5 jours, 3 jours, je sais plus. Et tu montes en Pologne.
dans des montagnes où il pèle à fond, et tu pars en short. Sans rien. Juste tu protèges tes mains, ta tête, et il y en a une qui se met pieds nus. Et il fait genre moins 5, 10, etc. C'est hyper intéressant comme travail. Bon après, vous allez voir, c'est vrai que pas. Hein ? C'est vrai que pas. Ouais, non, c'est trop polonais pour lui. Mais maintenant, Simon, il arrive à se faire mal. Donc déjà, allez, on s'aligne. Maintenant, il va au man. Maintenant, il préfère, ouais, c'est ça. C'est ça. Lui, il est plutôt au man. Je vais aller en Osterreich pour faire un peu de ski, tu vois. Le mec, il a un peu changé. Hein. Il fut un temps, il allait attaquer les grizzlies. Hein. C'est ça. C'est ça. Mais bon. Les temps changent, les temps changent. Juste avec un livre à ses mains et un... Et maintenant... Quand il est arrivé ici, à l'époque, tout le monde avait peur de lui. Maintenant, on l'appelle juste Simon, quoi. Non, il va au man, avec une canne à pêche, un hameçon... C'est ça. Ok, bon bah... On continue comme ça. Pensez, pour ceux qui veulent, on va manger quelque part. J'imagine que vous avez décidé de manger. Ouais, j'ai laissé ça, je crois. J'ai laissé ça à Simon. Je vais léguer ça. C'est un cerf polonais. C'était certain. Ça s'appelle pas l'Asie pour rien, je vous rappelle. Mais dis, c'est... Demain on a training. Ah, moi c'est bon, hein, moi je vais essayer direct. Demain on a training, peut-être dimanche, je verrai en fonction de des motivés. Ouais. Et bah j'allais dire en compétition. C'est pas grave, même si Eric ne combat pas, il y a le roll-up qui va être top à mon avis. Donc ne pas hésiter. C'est pas compliqué. À venir. Je prends les billets la semaine prochaine parce qu'il reçoit les billets la c'est semaine où prochaine. Ouais, ouais, ma maison. C'est où ça? 92. Ah, mais les billets, je me suis dit, c'est pas loin de la défense. C'est 12 euros le 2,15. Ouais, bah, je vais les payer au départ, vous. Mais je suis un autre. Ouais, ouais. Bon, voilà. Tu y vas, toi? Allez, les gars, hein? Le roll-up, tu y vas? Ouais, moi j'y vais. Ouais, ça va être ouvert. Je suis en Ivoire. Ça veut dire qu'il y a David Doudin qui a gagné la place. Ouais, il y a David Doudin, il va combattre, il y a Nayer. Non, non, il va pas combattre, je crois qu'il a gagné une place. Ah, je crois qu'il combat, mais c'est un. Ah, je crois qu'il. Non, j'en sais rien, j'en sais rien. Allez, on sort vite. Allez, on sort vite pour les gars, il y a du chocouille. Chez Carlos. Chez Carlos. Chez Carlos.